no, 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 no. Mes amis, commencez à mettre le cœur, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Mettons assez de cœur et partageons la vidéo, s'il vous plaît. Mettons les cœurs et partageons la vidéo. Déjà, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Je veux parler, mais je ne vois pas les cœurs. Je veux parler là, mais je ne vois pas du tout les cœurs. Oh, la vie, la vie, la vie, la vie. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Très, 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 très urgent. Mettez les cœurs, je ne vois pas du tout les cœurs. Très, 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 très urgent. Très, très, très urgent. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Lorsque nous sommes à 3000 personnes, le général commence à parler. Mettez-moi assez de cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Je veux voir les cœurs, je veux voir les partages parce que l'heure est très, 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 très grave. Je ne vois pas les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Où sont les cœurs? Là. Pompez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Là. Je ne vois pas les cœurs. Pompez-moi les cœurs ici. Cliquez ici, partagez. Partagez dans le groupe et puis partagez, partagez. Si je ne vois pas les 3000 personnes, je ne parle pas. Et quand c'est grave, il faut que Makoso vienne parler. Vous savez que quand c'est grave, c'est Makoso qui vient parler. Que Dieu bénisse la personne qui a envoyé les 150 étoiles. C'est-à-dire, dès que tu envoies des étoiles, Dieu te bénit automatiquement. Pompez-moi les cœurs, partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les partages. Mariamo Fadiga, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Burkina Faso, je vous salue. Je vous salue. Quelqu'un dit, j'ai mis les cœurs. Si tu partages, précis, dans combien de groupes tu as partagé? Donc, combien de groupes tu as partagé? Quelqu'un dit quoi là? Je ne vois pas les cœurs, mes amis. Je suis là, je regarde le direct, mais je ne vois pas, je ne sens pas le direct. Or, quand je vois les cœurs, il y a donné des papos. Je viens d'apprendre et ça vient de tomber que le concert qui devait avoir lieu demain a été annulé. Il faut que Makoso parle. Il faut que Makoso parle. Il faut que Makoso parle. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Voici l'artiste malienne, Mariamba. Une jolie fille. La petite fille, elle en forme. Hein? Quand malienne est jolie, il faut reconnaître que malienne est jolie. Les maliennes font partie des plus belles femmes en Afrique. Ce n'est pas parce qu'actuellement il y a palabre entre nous qu'on ne va pas reconnaître ce qui est bon. Ça, c'est bon même. Voilà. Donc, la voici. Un coup coupé, coupé. Jolie femme. Toi-même, tu la regardes. Mettons les cœurs pour Mariam. La fille n'a rien à voir dans les histoires politiques. La fille n'a rien à voir dans les histoires d'État. Son conseil a été prévu depuis longtemps. Elle a décidé d'honorer son engagement en venant. Mais hélas, et mille fois hélas, le concert, je viens de l'apprendre, a été annulé. Partagez la vidéo, il va vous donner les papos. Il va vous donner les vraies raisons qui est à la base de ça. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. On va écouter le communiqué. Écoutez, hein. Et aujourd'hui, nous sommes ici au palais de la culture à la salle Anne-Mango. Constater notre appel au boycott et à l'annulation du concert de l'artiste malienne Mariamba. Nous rassurons nos populations que le concert a été bel et bien annulé et nous sommes ici pour prendre des dispositions et préparer la journée d'hommage dès demain aux forces de défense et de sécurité.
parce que c'est nos vaillants soldats qui étaient en mission officielle au Mali pour la sécurisation du Mali. Nous passons par là pour remercier le président Alassane Ouattara, grand diplomate de son État, qui ne ménage aucun effort pour régler ces différends entre le pays, notre pays et le Mali. Aussi, nous appelons tous les jeunes des mouvements et associations de Côte d'Ivoire à nous rejoindre dans notre combat et dans le combat pour la Côte d'Ivoire, pour faire respecter notre institution, pour faire respecter notre pays. Merci. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. Ça, c'est la première vidéo. Attendez, partagez. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Écoutez la deuxième vidéo. Écoutez. Population ivoirienne, camarades jeunes de Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le sursaut vient vous informer de l'annulation. Au temps de Blé Goudé, c'était le mouvement des jeunes patriotes. Ceux-là, maintenant, ils s'appellent comment? Écoutez, hein. Écoutez. Camarades jeunes de Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le sursaut. La coalition nationale pour le sursaut. Écoutez bien les mots. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Appelez-moi tous les Maliens. Appelez-moi tous les Ivoiriens. Venez, Makoso va parler. Parce que jusqu'à actuellement, je ne parle pas. J'ai commencé à parler, je me suis tué. Mais là, je vais parler. Là, je vais parler. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. À 3000 personnes, le général commence à parler. Partagez la vidéo. Très urgent. On va parler maintenant comme l'autre. Il dit Malien, très urgent. Venez. L'affaire est grave. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, je dois parler. Tous ceux qui viendront pour les commentaires, bande de cons, on va les bloquer. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, mettez les cœurs, je dois parler. Ah oui, je dois parler. Je dois parler. Parce que je suis là, je suis là, je ne parle pas. Je laisse les Johnny Pacheco parler. Je laisse les assos parler. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. Partagez la vidéo, je vois 2700 personnes. Je vois 700 étoiles. Donnez-moi les 10 000 étoiles ce soir. Je veux voir les étoiles. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Appelez-moi tout le monde. Mes amis, l'heure est grave. Hein. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Je répète que l'heure est très grave. Sous l'œil de Paris, je suis à Paris. Petit maudit, la photo qu'on était à Paris. Quand on te parle, tu ne coupes pas les gens. Quand on te parle, tu ne coupes pas. 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 Partagez la vidéo, mettez les cœurs à 3000 personnes. Je ne vois pas les partages. Tous les Ivoiriens, vous allez partager la vidéo. Je demande à tous les Camerounais de venir renfort pour partager la vidéo. Je veux voir les partages. Et on va se parler dans la vérité. Ce soir, je ne veux pas être dans l'hypocrisie. Je ne veux pas faire semblant. Non, je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas faire semblant. Vous savez, je vais vous dire deux choses. Si ça n'était qu'à moi seul, le conseil ne me dérangeait pas. Parce qu'à moi seul, on allait donner une leçon de tolérance aux Maliens. Parce que ce qui est en train de se passer au Mali, dès le départ, moi j'ai parlé. Dès que je parle, oh non, Makoso, tu es en train d'agresser les Maliens, tu es en train de menacer les Maliens, c'est pour éviter ça. Ce que je vais éviter là, c'est ce qui est en train de finir. Ce que je voulais éviter, c'est ce qui vient de naître. Ce mouvement n'existait pas. Ce mouvement dont je vous parle, il n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. La coalition... Écoutons, on va réécouter. Quand on parle, les gens n'écoutent pas. Et quand tu parles, je vois des personnes qui disent, non, en fait, vous allez voir, frère, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la valeur de la paix. Je vois des jeunes Ivoiriens excités. Je vois des jeunes Maliens excités. Toucher un Malien en Côte d'Ivoire, c'est là que vous allez voir. Frère, tu as passé par où pour venir en Côte d'Ivoire? Tu as passé par où pour venir en Côte d'Ivoire? Frère, je répète encore, c'est parce que je suis un vieux, 43 ans, je ne suis pas un enfant. J'ai vu trop de choses en Côte d'Ivoire.
Ce qui vient de naître là, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai dit, allons vite à la paix. Je vais revenir à ça. Je vais vous donner des détails et des preuves. Ne soyez pas excités. On a prévenu, on a averti, on a dit allons doucement. Mais quand un concert doit avoir lieu, et que vous avez des blogueurs qui commencent déjà à se muscler, hey, j'ai envie de parler. Mais je suis devenu aujourd'hui tellement un panafricain que même quand je veux parler, même quand je veux dire des choses, je suis obligé de réfléchir pour ne pas blesser quelqu'un. Mais les blogueurs maliens, quand eux parlent, eux ils s'en foutent s'ils sont en train de blesser ou s'ils ne sont pas en train de blesser, ils insultent, ils ne font pas de pas. Non, c'est. T'as dit, tu es assis, tu les regardes, tu leur poses la question. Est-ce que ce que vous commencez là, vous pouvez terminer? Je ne sais pas. On est champion d'Afrique dans clash. C'est nous, on a le brassard. Et puis nous, on ne parle pas en langue, nous, on parle en français pour que le monde entier nous écoute. Quand on dit que des gens se sentent insultés, on va se parler aujourd'hui. Le concert vient d'être annulé. Hein. Il n'y aura pas concert. Et je vous donne l'information. Il n'y aura plus concert malien en Côte d'Ivoire. Ce qui vient de commencer là, je vous dis, ce n'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui suis l'initiateur. C'est pas moi qui décide ça. Même si Sidiki Diabaté, qui est l'ami, qui est l'enfant de la première dame, dit je veux organiser un concert en Côte d'Ivoire. Ils vont interdire son concert. Qui va le faire? Les jeunes Djoula. Les jeunes Bambara là. Eux-mêmes qui parlent Djoula comme vous. Ils vont interdire ça. Tant que les soldats sont bloqués en Côte d'Ivoire, au Mali, tant qu'il n'y a plus de concert malien en Côte d'Ivoire. D'abord, ces concerts. Écoutez-moi bien. Quand on parle. On a l'impression qu'on menace. On ne menace pas. On prévient, on a vécu, on dit allons doucement. Je répète, allons doucement. Si on prend entre les Maliens et les Ivoiriens, on me dit oui, il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas la même chose. S'il y a un conflit entre les deux pays, le pays qui a le plus à perdre, c'est le Mali. Il y a des villages. La majorité de leurs parents sont en Côte d'Ivoire. C'est l'argent qu'ils envoient qui permet à ces villageois-là de vivre. Le premier ministre Choguel Maïga lui-même l'a dit dans sa vidéo. C'est pour éviter ça. Parce qu'on est deux pays frères. C'est pour garder cette fraternité-là. Que des hommes comme nous, on accepte qu'on nous insulte. Sur nous-là, on peut faire un genre de bleu ou de. C'est comme bleu ou de fait là. Je suis général. Je suis papa de la mobilisation en Côte d'Ivoire. Je peux charger l'affaire là. Pour dire, on ne paye plus rien qu'à partir aux Maliens dans le pays. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon? Non. C'est pour ça qu'on dit toujours aux voisins d'à côté, aux blogueurs d'à côté, qui insultent tous les jours à la sang d'Aman Ouattara, pardonnez, allez doucement. Tu ne peux pas insulter le papa de quelqu'un matin, midi, soir. Un matin, la personne va te dire un mot. Et tu as senti qu'il te blesse. Non. Les soldats ivoiriens qui sont morts au niveau du Mali sont au nombre de combien? Je pose une question. Qu'on me réponde d'abord. Les soldats ivoiriens qui sont allés au Mali sur la demande du gouvernement malien et qui sont morts au Mali, ils sont au nombre de combien? Répondez-moi à cette question, je continue. Partagez-moi la vidéo. Écrivez-moi, mon général, révèle, je révèle. Je vous dis qui est à la base de ça. Parce que le président Ouattara qui est assis là, il n'est pas bête. Hein? Il sait que s'il fait un forcing, un bras de fer entre lui et les Ivoiriens qui se sentent indignés, lui-même, ça peut se gratter sur lui. Oui, et je tiens à dire, si je touche du bois et je prie Dieu, parce que vous savez, ceux qui veulent détruire entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ils existent. Posez-vous la question de savoir. Pourquoi ce sont les blogueurs de Soro Diome qui sont déterminés dans cette affaire de Mali? Même si tu es bête, même si tu n'es pas allé à l'école, tu te poses la question. Ils ne sont pas maliens. Mais ils sont motivés dans l'affaire du Mali là, par rapport à quel intérêt? Je vais vous donner une information et je touche du bois. Je touche du bois. Le premier acte qu'ils voulaient, c'était l'annulation de ce concert. Pour commencer à dire, vous voyez. Les intérêts maliens sont attaqués en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier acte.
Mais je vous informe que les jeunes qui viennent de prendre cette décision-là, la majorité d'entre eux étaient les jeunes patriotes. Ceux qui ont affronté l'armée française. Ceux qui ont affronté Alassane Ouattara. Eux-là, ils ne reculent pas. Policiers, on les dit policiers, demi-tour. C'est tes frères qui ont arrêté là-bas. Tout policier qui vient empêcher la manifestation des jeunes Ivoiriens, il sera traité comme étant un Judas, un traître de la nation. C'est ça là, on veut éviter. C'est pour ça qu'on parle. Vous devez écouter des gens comme Marcos. Vous ne devez pas vous qui envoient le conseil là, c'est annulé. C'est fini, il n'y a plus conseil. Les bêtes vis-à-vis de la jeune fille malienne, qui est une femme qui va se sentir humiliée, qui va retourner chez elle. Ah, et ton conseil à Abidjan, ils ont annulé. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Et si le conseil avait lieu, les blogueurs soroïstes, les blogueurs maliens extrémistes qui sont aux États-Unis allaient venir s'asseoir pour narguer les Ivoiriens. Vous n'êtes pas dit, vous êtes bouche. On est parti dans votre pays, on a organisé le conseil. C'est pour éviter ça que je répète encore. Mettons balle à terre. Regardez dans les commentaires. L'excitation. Oh, venez chercher nos soldats. Frère, si un seul des soldats ivoiriens qui est au Mali, un malheur lui arrive, vous avez tout gâté. Je vous jure. C'est ça là, je prie Dieu que ça n'arrive pas. Parce que les ennemis de la Côte d'Ivoire, les ennemis du Mali, qui veulent que les deux pays se rentrent en affrontement, peuvent aller empoisonner un des soldats ivoiriens. Et vous allez venir justifier ça. Je vous demande pardon. Prenez votre téléphone, appelez les frères maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, dites-leur, si un soldat ivoirien meurt au Mali là, c'est comment? Il va commencer à te dire, il va te dire, non, prions Dieu qui ça n'arrive pas. Je vous jure, il n'y a pas peuple plus barbier, plus bête, plus sauvage que les Ivoiriens. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche dans ma vie. J'ai parcouru 33 nations. Je sais de quoi ils vous parlent. Vos ailes là, ils vont casser vos ailes. Vous n'allez rien comprendre dedans. Ça veut dire que vous demandez pardon. Allons doucement. Ce qui est en train de commencer va réveiller les extrémistes. Dans chaque pays, il y a des extrémistes. En France, c'est Marine Le Pen qui n'aime pas les étrangers. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui estiment que les étrangers sont des voleurs. Ils sont venus voler nos richesses. Or, moi, j'estime que le mélange culturel fait développer un pays. Donc, entre les extrémistes et ceux qui sont pour l'unité, vous devez écouter qui? Vous devez écouter qui? Ceux qui vous allaient, ceux qui vous préviennent. Mais non, vous préférez rester dans la théologie, dans la théorie. Ils sont jaloux de nous. Ils ne peuvent rien. Ils n'ont qu'à amener les soldats. Donc, vous souhaitez la guerre. Vous souhaitez l'affrontement. Mais en cas d'affrontement, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas prendre Kalachnikov? Est-ce que vous êtes sûr que vous serez prêt à mourir? Non. Parce que c'est vous les mêmes qui allez venir dire, nous sommes deux pays frères, allons doucement, mettons de l'eau dans nos vins, parlons de paix. C'est la paix à qui nous tous on veut. Sinon, parler mal, insulter le président de quelqu'un, nous on est champions dans ça. Mais on dit les frères, les amis, les cousins, les Mokhtar, les Diarra, les Bintou, les Mariam, les Kone, il y a Kone au Mali, il y a Kone en Côte d'Ivoire. Il y a Mariam au Mali, il y a Mariam en Côte d'Ivoire. Il y a Diaby au Mali, il y a Diaby en Côte d'Ivoire. C'est le même peuple. Pardonnons, ne laissons pas le diable venir nous diviser. Venir nous diviser. Quand on parle de paix, ce n'est pas le symbole d'une faiblesse. Ce n'est pas parce que tu as peur. C'est parce que tu sais que si on fait par là, toi et moi, qu'on pleuve ou qu'il neige, on va s'asseoir demain pour dire, mon frère, tu m'as tapé ici, hein? Moi, je t'ai tapé ici, hein? On fait comment maintenant? En faisant la paix. Pourquoi on ne fait pas la paix que de commencer à créer des tensions? Il n'y a pas un artiste ivoirien qui va au Mali. Vous savez, je sais. Il n'y en a pas. Moi, depuis que j'existe, je n'ai pas encore appris qu'un concert et une artiste ivoirien organisé un concert au Mali. Je n'ai pas encore appris ça. Je n'ai pas encore appris. Oh, des Bordeaux dit pour le moment, il ne parle pas. Vous savez, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et quand les jeunes Ivoiriens s'ennuient, ils veulent un combat dans lequel ils vont se retrouver pour se dégoudir un peu les jambes, pour se dégoudir le cerveau. Cet esprit-là, ce n'est pas un bon esprit. Est-ce que Makosso est d'accord
avec l'annulation du concert de Mariamba. Aujourd'hui, je peux vous dire oui. Pourquoi? C'est pour éviter un affrontement. Demain, je sais de quoi. En Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qu'on appelle les microbes. Hier, c'était l'événement d'Arafat DJ. Les 3 ans d'Arafat DJ. Les jeunes sont sortis, ils ont guéri. Ils ont pillé tous les magasins, saccagé les magasins. Piqué les gens. Quand ils savent qu'il y a un mouvement quelque part, même s'ils sont patriotes, même s'ils ne sont pas patriotes, ils descendent là-bas. Ils vont aller tout gâter. Et qu'est-ce qu'on dira demain? Des Maliens ont été piqués. Des Maliens ont été agressés. Les cyberactivistes maliens vont aller filmer pour dire, voilà, ils ont frappé nos parents. Hein. Regardez la femme là, la vieille là, ils ont tapé la vieille. Ils vont utiliser ces images et ça ne sera pas bon. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Les Facebook. La haine sur les réseaux sociaux. L'excitation. Mais pourquoi qu'on dit ça? Personne ne peut dire, Makoso, tu as raison. Allons doucement. On a tout à perdre. Les uns, les autres. Demain, on va se retrouver dans des aéroports. Se retrouver dans des compétitions. Mali, Côte d'Ivoire, on ne pourra pas se parler. Moi, je suis choqué. J'ai même plus voulu parler dans cette affaire parce que il y a trop d'excité. Trop d'excité. Des gens excités mais qui n'ont rien. Des gens excités mais qui n'ont jamais pris un avion. Moi, je voyage. Tous les Maliens que je rencontre dans les aéroports me disent, mon frère, on ne peut pas parler au Mali. Mon frère, je te dis, si ce que je dis est faux, ceux qui voyagent, les Maliens qui vont venir me dire ça, les Maliens qui vont me dire, mon frère, non, on ne peut pas parler au Mali. Parce que dès que tu dis quelque chose qui ne va pas dans le sens des militaires, c'est que tu es un traître. C'est que tu n'aimes pas le Mali. C'est que tu as trahi le combat. On ne peut plus parler. Mais mes frères, moi je vous pose une question. Et la question que je pose est une question claire. Partagez la vidéo, je vais poser la question. Partagez la vidéo, il y a donné la révélation. Je ne vois pas les partages. Partagez-moi la vidéo. Écris mon général, parle, je vais parler. Une fois écrit mon général, parle, aujourd'hui là, je dois parler. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je vois des gens qui sont à une de toi, mais venez chercher vos soldats. Frère, on n'est pas dans une compétition. Ce n'est pas de savoir qui bande le plus. Ce n'est pas de savoir qui a la plus grosse pine. Non, c'est une affaire diplomatique. Et en deux pays diplomatiques, on utilise les voies diplomatiques. Et on se parle. On se parle. On se parle. Mais je prie Dieu que les ennemis de la paix ne partent pas assassiner. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il faut faire croire aux Maliens que les Ivoiriens sont en train de frapper leurs frères à Abidjan. C'est tout. Les gens qui veulent déstabiliser, ils ont déjà préparé leur coup. C'est tout. Une fois qu'ils ont les images, ils vont galvaniser les Maliens. Vous voyez, non, vous êtes en danger chez eux. Aidez-nous à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et nous, là, on va prendre le soin de sécuriser vos parents. Ils ont fait ça, les Burkinabés. Ils sont convaincus sous le régime Gbagbo que le Burkinabé était en danger en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. La rébellion est quittée du Burkina pour entrer en Côte d'Ivoire. Ils sont venus s'installer à Boaké. C'est le même schéma qu'ils sont en train de préparer avec le Mali. Le même schéma. Et c'est nous, le peuple malien, ivoirien, qui sommes au milieu comme des imbéciles, des idiots qui ne comprennent rien. Ceux-là, quand eux gagnent les agents à la fin du mois, nous on gagne quoi? Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Personne ne gagne quoi que ce soit. Donc finalement, nous sommes ridicules. Nous qui sommes en train de nous battre sur Facebook. Nous qui sommes en train de nous insulter sur Facebook. Nous sommes des plaisantins. Parce que eux là, ils ont tout calculé. Ils savent dans quoi ils vont manger. Ils savent comment ils vont manger. Ils savent comment ils vont frapper. Et comment ils vont tabasser les jetons. Écoutez le discours. Et on fait écouter ça maintenant. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Vous allez voir les petits maudits de blogueurs souris à sortir de jour là. Ce soir là. Voilà, ils ont annulé le concert. Le régime voit un frère. Dites merci que le concert a annulé. Dites merci qu'ils ont annulé le concert. Parce que ce qui allait se passer demain au palais de la culture, ça n'allait pas être beau à voir. Je connais cela. Ça n'allait pas être du tout beau à voir. Et je tiens à féliciter les autorités ivoiriennes d'avoir vu l'œil de l'aigle. Si demain, il y a un affrontement, c'est qui on va accuser, Ouattara? Un concert à risque, on l'annule. Si c'est le concert de Makoso, que le concert est à risque, qu'il y a des possibilités d'affrontement, on l'annule. Manifestation des 300 d'Arafat a été annulée hier. Annulée hier. Il y a eu affrontement entre les policiers et les jeunes. Je vous montre l'image tout à l'heure.
Yo, moi, ça tout à l'heure, écoutez. Population ivoirienne, camarades jeunes de Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. La coalition nationale pour le sursaut vient vous informer de l'annulation de la tenue du concert de nos frères maliens ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici ce matin, vu l'information que nous avons reçue de la mise en place de la logistique. Envoyez les étoiles, partagez la vidéo. Pour empêcher cette mise en place. Et aujourd'hui, nous venons vous informer que la Côte d'Ivoire doit être respectée. Nous sommes encore ici jusqu'au petit matin pour respecter les consignes de la coalition nationale pour le sursaut. Vous avez tous les leaders qui sont ici. Chacun prendra la parole pour effectivement confirmer l'annulation du concert qui a été prévu véritablement hier. Mais je pense que avec votre détermination, avec votre engagement, nous venons d'obtenir l'annulation de ce concert. Donc, nous vous donnons rendez-vous jusqu'au petit matin pour la continuité du concert, parce que la jeunesse elle-même a décidé de rendre hommage à nos soldats pour dire que la Côte d'Ivoire est engagée. Écoutez bien les mots. Après l'annulation du concert, quelle est la... Parce qu'ils viennent de créer un mouvement. Un mouvement vient d'être créé. Ils ont fait annuler le concert. Quel sera le deuxième acte? Posez-vous des questions. Un, ils viennent de faire annuler le concert. Ils ont réussi leur coup. Deux, quel sera le deuxième acte qu'ils vont poser? Ils vont... Oh Seigneur, voilà tout ce qu'on voulait éviter. Voilà tout ce qu'on voulait éviter. On parle. Mais les illettrés notoires, les analphabètes de Facebook, les bipolaires de Facebook, les extrémistes n'écoutent personne. Deuxième acte, je vous donne l'information. C'est une marche sur l'ambassade du Mali. Ils vont mettre la pression sur l'État de Côte d'Ivoire que le président Ouattara lui-même n'aura plus le choix. Deuxième acte, ils vont au... Quel policier va venir arrêter des gens qui disent non, on marche la libération de nos militaires? Quel policier? Même si le président dit au policier, allez les bloquer, on dit, monsieur le président, on ne va pas. On ne va pas parce qu'on nous sommes les fatigués. Nos frères dans mon calendrier. Donc le président n'a plus le choix. Il a les mains liées. Il a les mains liées. Deuxième acte, ils vont marcher sur l'ambassade. Allez crier, crier, crier. Mais comment vont se sentir les Maliens qui vont en Côte d'Ivoire? Ils vont se sentir gênés. Très gênés. Ah, vraiment, ah, la situation commence à faire peur. Hein. Joe, les gars sont en train de faire des marches ici. On a des propos très malsains. Et vous allez voir que le voisin qui a son voisin malien va commencer à le regarder en bizarre. Vous ne respectez pas les Ivoiriens. Vous ne respectez pas la Côte d'Ivoire. On a tout fait pour vous. L'autre va lui répondre, mais ça fait quoi pour moi? Moi, ici, dans ce pays, j'ai investi dans ce pays. On est propriétaire des maisons dans ce pays. Ça fait mal. Pour nous qui sommes des panafricains, et quand tu parles, tu as des imbéciles notoires, des sorciers notoires qui vont venir s'asseoir. Oh non, tu es un hypocrite. Moi, hypocrite, c'est ta maman qui est hypocrite. C'est ton papa qui est hypocrite. Si moi, Camille Makosso, je vais mener le combat, il n'y a personne qui m'arrête. J'ai affronté mon pays dans la fête de Côte d'Ivoire Cameroun. J'ai affronté mon pays sans peur parce que je ne suis pas un PD. Donc quand je mène un combat, je mène un combat. Demandez au président malien de libérer les soldats ivoiriens. Ça n'arrange pas la situation. Vous savez, on sait, ce n'est pas des mercenaires. Vous savez, on le sait. Dernière fois, il y a même deux femmes. Si les procédures n'ont pas été respectées, c'est à l'ONU. La faute doit revenir. C'est à eux de vérifier les procédures. Et on est dans cette situation. On se regarde, chacun fier de son côté. Ah bon? Après ça, là, il y aura un autre acte. Un autre acte. Un autre acte. Un autre acte. Et les deux pays, ils ne pourront jamais rentrer en guerre. C'est impossible. Ils ne pourront jamais dire, nous, on déclare la guerre à la... Ce n'est pas possible. Vu les accords militaires, un tel pays, ce n'est pas possible. Chacun va rester dans son gros cœur, et puis chacun va avaler son gros cœur, et puis ça ne va pas quelque part. Parce que celui qui va faire rire, il connaît les conséquences qui vont s'en suivre. Il connaît les conséquences qui vont s'en suivre. Est-ce que cela est adéquat? J'ai dit un jour aux Ivoiriens qui se réjouissaient en disant, oui, les Maliens, vos vieux avions et autres. J'ai dit aux Ivoiriens de ne pas se réjouir, de ne pas se moquer et de prier Dieu que les autorités maliennes arrivent à vaincre les djihadistes. Parce que si Bamako tombe, la prochaine destination des djihadistes est Boaké. Donc, quand les militaires maliens remportent des victoires, nous là, on doit être contents. Je suis quelqu'un de logique. Quelqu'un de logique
est quelqu'un de franc. Je ne suis pas un PD. C'est vous qui acceptez les hommes de ce royaume chez vous. Lui, qui est un déstabilisateur. C'est vous. Et c'est très dangereux. Il y a une femme de Soro qui a été arrêtée à Abidjan. C'est parce qu'ils n'ont pas giflé à l'aéroport que cette femme a dans le courage de parler. Celle qui allait au Mali, là, c'est parce qu'ils n'ont pas giflé à l'aéroport qu'eux ont le courage de parler. Les Soristes. Une gomme maudite comme ça. Toi, ton état dans une situation de crise, vous êtes condamné à perpétuité. Tu as été rendu au Mali pour narguer les autorités ivoiriennes. C'est parce qu'ils n'ont pas giflé à l'aéroport que cette femme a le courage de parler. Il faut respecter ton pays. Si on me met le Mali, on me met la Côte d'Ivoire, je prends la Côte d'Ivoire parce que c'est mon sang. Mais est-ce que je veux qu'il y ait une tension, une division entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Non! Pourquoi? L'histoire. Quand cette histoire de Mali a été créée, le président Alassane Ouattara ne vivait pas encore. Le président Assimi Goïta n'était pas encore né. Ce sont des bébés par rapport à nos ancêtres qui ont mis ce pays-là en union. Ces deux pays-là qui ont été bâtis. Nos ancêtres ont payé le prix. Aujourd'hui, c'est notre génération. Une génération perdue. Une génération Facebook. Une génération TikTok. Une génération barbier. C'est nous qui venir diviser ça. Par nos commentaires. Par nos vidéos à deux balles. Par notre sentiment de haine. C'est nous qui venir diviser ces deux pays-là. Vous connaissez comment ces deux pays-là ont été bâtis? Vous connaissez les sacrifices qui ont été faits, les sacrifices, les saccages qui ont été faits pour que ces deux pays-là soient faits. Il y a Dozo à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a Dozo au Mali. Ces deux pays-là, il n'y a pratiquement pas de frontières. Ils font les mêmes formations de Dozo. Une génération hypocrite est en train de diviser cela. Et c'est sur Facebook que le parallèle se fait. Les commentaires bande de cons. Mais si demain on dit, bon ok, plaçons-nous, par là on va commencer. C'est les mêmes qui viennent d'ici. Ces deux pays frères, hein? Nous sommes des frères, allons à la paix. La paix entre les deux pays. Mais paix entre les deux pays, c'est ce qu'il faut prêcher dès le départ. C'est ce qu'il faut prêcher dès le départ. Quand quelqu'un rentre dans ton pays en situation irrégulière, tu le rapatries de ton pays. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Parce que c'est même ridicule. C'est même ridicule ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, c'est un concert qu'on annule. On voit des jeunes qui viennent s'arrêter, qui prennent papier. On a fait annuler le concert. Ça rapporte qu'au pays? Rien. Ça fait avancer le pays? Non. Est-ce que ça prend le sens de radicaliser certaines personnes? Oui. Est-ce que d'autres personnes au Mali vont voir ça aussi comme une humiliation? Oui. Est-ce qu'eux sont censés être radicalisés? Oui. Est-ce que nous sommes censés radicaliser? Oui. Mais de radicalisation en radicalisation, quel est l'objectif? L'objectif là, c'est une humiliation. L'objectif, ce sont les opérateurs économiques qui ont mis leur argent dans les deux pays qui vont perdre. Parce que si un magasin est cassé en Côte d'Ivoire, les Maliens vont chercher aussi un magasin d'un Ivoirien pour aller casser. Et comme il y a 1000 magasins en Côte d'Ivoire, et peut-être 2 magasins seront au Mali, c'est les 1000 magasins du Mali, de la Côte d'Ivoire qui vont perdre. C'est les Maliens en Côte d'Ivoire qui vont perdre. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont au chômage. On les appelle les voleurs notoires. Eux sont assis quand ils prient Dieu et Seigneur. Et Allah, et Allah, ce n'est qu'à se gâter. Et Allah, ce n'est qu'à se gâter. Et Allah, ce n'est qu'à se gâter. Et ils ne prient pas parce qu'ils aiment le pays. Et ils ne prient pas parce qu'ils aiment les soldats. Eux, ils prient pourquoi on est qu'à dire que c'est gâté. Pour rentrer dans les magasins de riz, des ciments, des manières, pour aller tout voler. Eux, c'est ceux qui les intéressent. Quand il y a cafage, eux, ils se servent. C'est pour ces voyous-là que je dis toujours. Évitons de nous qui sommes sur les réseaux ce soir. Soyons des pacificateurs. Mais le petit maudit qui est aux États-Unis, une de toi, Malienko, très urgent. Mais posez-lui la question, pourquoi il ne va pas vivre au Mali? Il n'est qu'à rentrer au Mali, vivre au Mali, s'asseoir au Mali, puis défendre le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est ça qu'il faut. Nous, on vit dans notre pays. Vous voyez, permettez-moi maintenant de parler. Permettez-moi de parler. Il y a près de 4000 personnes, on était 5000 tout à l'heure. Mettez-moi les cœurs, donnez-moi les étoiles et partagez la vidéo. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui sont fiers. Je vous le dis, je ne vous le cache pas. J'ai vu des tourés aller insulter d'autres tourés sur les réseaux sociaux. Regardez les commentaires. Ceux qui sont insultés là, ils portent pratiquement le même nom. Et quand un touré va insulter un autre touré, l'autre touré du Mali dit, tes ancêtres venaient du Mali. Hein. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est un mélange. Et ce mélange-là, on ne veut pas que les petits bâtards des réseaux sociaux viennent gâter ça. Parce qu'on vient de loin. Les Maliens qui ne se sentaient pas bien dans leur pays ont trouvé la terre de l'hospitalité. C'était la Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, ils se sentent chez eux. Si tu dis à un jeune Malien qui vit en Côte d'Ivoire, mon frère, est-ce que tu veux retourner au Mali? Il va te maudire.
C'est que je dis, si c'est faux, il n'est qu'à venir me dire ça. Si tu demandes à un jeune malien qui vit en Côte d'Ivoire, est-ce que tu veux retourner vivre au Mali, il va te maudire. Il va te maudire. Maintenant, il faut lui demander pourquoi. Abidjan, Madou. Abidjan. Non. Abidjan. Abidjan, tout Madou. Le roi Douzou connaît quelque chose. Celui qui débatte, il sait de quoi il parle. Aïe. Mais regardez combien de fois, quand vos artistes arrivent en Côte d'Ivoire, que ce soit Sidiki, combien de fois tous les Ivoiriens sont fiers. Aujourd'hui, cette fierté-là, cette situation vient de briser ça. Les gens ne sont plus fiers. Parce qu'ils se disent, on a trop donné. L'autre aussi se dit, mais est-ce que vous trouvez normal que 49 soldats viennent dans un pays sans papier officiel? Et chaque pays se reste, chaque personne se reste braquée. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Parce que j'ai mal. Je vous dis, j'ai mal. J'ai mal. Et quand tu parles, il y a une dame qui m'appelait tout dernièrement de la Suisse, une petite imbécile là. Ah oui, Marcoso, tu es toujours en train d'insulter les Maliens. Il dit, tu vois, c'est nous, l'on vient se sacrifier. Pour dire, les gars, baissons d'un ton. Il n'y a pas influenceur en Afrique qui est plus connu que Camille Marcoso. Il n'y en a pas. Ce n'est pas débat. Il y en a un. Je suis le champion, toute catégorie confondue. Mais j'ai des coups que je ne peux plus donner. Parce que parmi mes fans, il y a des Maliens. Il y a des Guinéens. Il y a des Burkinabés. Donc même quand la Côte d'Ivoire est dans un conflit, je me sens très mal à l'aise. Je préfère être le pacificateur. Il y a des frères ivoiriens qui m'amènent des messages pour dire, Marco, se tombe ta position, on ne comprend pas, tu es trop lâche. Ce n'est pas parce que je suis lâche. Je ne veux pas blesser des gens. Parce que ma parole est trop forte, ma parole est trop lourde. Si je dis des choses, ça va me suivre pendant 10 ans. Mais il y a des personnes, ils parlent. Le gars qui dit Malienko, Malienko, Malien très 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 urgent. Si crise du Mali là finit, Côte d'Ivoire, Mali là, si ça finit, lui là qui le connaît. Il rentre à l'oubliette. Lui, il disparaît. Les saoulés de Paris. C'est parce qu'il y a crise en Côte d'Ivoire et Mali qu'on les écoute. Ils ont tenté ça sur Radio. On a fermé leur gueule. On a maté la rébellion. Je suis le tueur de Chris Yapi. Allez lui demander. Allez lui demander. Votre professeur Franck, il a fui le Mali, non? Quand il a pris son dossier, il a quelqu'un du Mali. Lendemain, il a quitté le Mali. Il sait de quoi il parle. Quand je parle toujours avec des faits, des preuves, des éléments, des audios. Et puis on avance. On fait fête nationale de Côte d'Ivoire. On fait notre défilé militaire. Il y a des Maliens qui sont fâchés. Vous avez bu quelle drogue? On paye les avions. Les Russes donnent des avions aux Maliens. Des Ivoiriens vont se moquer. C'est quelle drogue vous fumez? Vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes normal? La haine que vous êtes en train de développer là, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut aller jusqu'au bout? Moi, je vous dis ici, je le répète et je le dis. J'aime le Mali. Parce que c'est un pays qui a connu Soundiata Keïta, Samori Touré, qui étaient des vrais patriotes. L'homme le plus riche de tous les temps était un Malien. Le royaume Mandingue a dirigé une partie de l'Afrique. C'est notre héritage en tant qu'Africain. Je suis fier d'être un Ivoirien. Le seul pays au monde, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, qui peut accueillir plus de 4 millions de Maliens, 2 millions de Burkinabés. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis non, il n'y a pas haine. Et puis on mougre ensemble. On danse ensemble. On fait l'Europe ensemble. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est ce pays-là qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Libanais vient, il mange. Arabe vient, il mange. Il y a Arabe fait buzz dans notre pays. Il y a Arabe chiffre policier dans notre pays. C'est Côte d'Ivoire. Ce pays, c'est Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un Arabe peut gifler un Malien au Mali? En Côte d'Ivoire, Arabe chiffre policier. Et puis, on dit non, mon frère, faut pas faire ça. Non, les gars, laissez-le, ne le tapez pas. Ne le tapez pas. Et puis, on sécurise l'Arabe. Faut aller faire ça au Cameroun. Faut aller gifler un Camerounais. Et puis on apprend que tu es un Arabe. S'ils ne t'ont pas brûlé vivant le même jour là, c'est que ce n'est pas Camerounais. Mais la Côte d'Ivoire est un pays trop pacifique. Mais vous savez, quand un serpent est trop lourd, quand il se déchaîne, ce n'est pas bon. C'est ce démon là que je refuse qu'il se lève en Côte d'Ivoire. Et quand tu le dis, tu as certaines personnes qui pensent que c'est une menace. Non, c'est l'histoire. L'histoire que la Côte d'Ivoire a vécu, c'est que nous avons déjà vécu des tensions avec des pays.
premier pays, c'était la Guinée. Mais ça, nous n'étions pas encore nés. Le deuxième pays, c'était contre le Ghana. Le Ghana. Le Ghana, voisin de la Côte d'Ivoire. Militairement parlant, ils sont au devant. Ghanéens, militairement parlant, en matière d'équipement, ils sont devant nous. Oui, je suis retourné. Mais on les a fait lire l'heure. Ils ont lu l'heure en plein 13 heures. Ils n'ont rien compris dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Des supporters ivoiriens sont allés au Ghana pour aller supporter la SEC Mimosa qui jouait contre Ashanti Kotoko à cause des ballons. Et vous savez, vous les Maliens, que cet incident a failli avoir lieu entre nous et le Mali quand on a éliminé le Mali lors de la dernière Coupe d'Afrique. Vous savez, des Ivoiriens ont été caillassés. Dieu merci, plusieurs influenceurs maliens ont interpellé rapidement pour dire, écoutez, vous faites quoi là? C'est ballon. Et on a parlé, on a passé à autre chose. Quand nous sommes allés supporter notre équipe au Ghana, ils ont frappé les supporters ivoiriens, les Ghanéens. Les Ghanéens ont frappé les supporters ivoiriens. Nous là, nous on aime s'amuser. Nous là, quand il dit Yachou, on est premier. Quand il dit Arafat, on danse. À 13h, on était devant le journal télévisé. Et puis on regarde, dit non, les supporters ivoiriens ont été frappés au Ghana. Et puis on a commencé à monter les images, comment des femmes étaient blessées au-dessus. L'émission a commencé à 13h. Le journal est fini à 13h30. À 14h, tous les Ghanéens qui existaient sur le territoire ivoirien ont cherché la route du Ghana. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Yéli, le journal est fini à 13h30. Quand on a dit 14h, un Ghanéen sur les 322 000 km², là, on a pu trouver un. D'autres ont été tués. Les femmes ghanéennes qui venaient se prostituer, elles ont été baisées pendant toute la journée par les Ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui, les Ghanéens, ça les a traumatisés. Quand on prend la route du Ghana, Ghanéen dit passez, passez. Ivoiriens, oh my brother, ils savent de quoi on est capable. Ce démon, je refuse qu'il se réveille encore à nouveau. Tout dernièrement, il y a eu une fausse information. Squad des Nigériens sont en train de frapper des Ivoiriens. Oh, c'était une vidéo du Nigeria qui avait tapé de Boko Haram. Les gars de Soro Guillaume ont pris la vidéo pour monter les jeunes d'Abobo pour faire croire que ce sont les jeunes Nigériens qui sont en train de frapper les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez la manipulation des réseaux sociaux? C'est-à-dire, quelqu'un est capable d'aller filmer les soldats ivoiriens dans une mauvaise posture pour faire croire que voilà, on les maltraite, soit aller faire une vieille photo de soldats torturés quelque part, pour dire, vous voyez, on est en train de torturer les soldats ivoiriens au Mali. Est-ce que vous comprenez combien de fois les gens sont dans la manipulation, sont dans l'extrémisme? C'est pour éviter ça. La vidéo est sortie à 14h. À 15h, tout Abidjan est gâté. J'ai dit tout Abidjan. Jusqu'à moi-même, on m'a convoqué à la police. Parce que des gens ont coupé une partie de ma vidéo pour aller faire croire que c'est moi qui ai appelé à ça. C'est pour ça qu'il dit, je préfère désormais parler de paix. Mais en même temps, nos jeunes frères ivoiriens qui sont au Mali, les Ivoiriens qui ont épousé des Maliennes, des Maliens, qui ont eu des enfants qui sont au Mali, quelles seront les conditions au Mali s'il y a un affrontement? Est-ce que vous-même et nous-mêmes, est-ce qu'on veut un affrontement? La question, il faut qu'on la pose aujourd'hui. Est-ce que le Malien veut affronter l'Ivoirien? Est-ce que l'Ivoirien veut affronter le Malien? La réponse, elle est non. On sait, on sait. On sait. Parce que Malien et puis 60% des Ivoiriens, tous les 18h, ils prennent le front et puis ils disent Allah, Wakba, et ils baissent la tête. Où est la responsabilité des imams? Les imams ivoiriens et les imams maliens, où est votre responsabilité? Où est la responsabilité des chefs traditionnels, ivoiriens et maliens? Vous attendez toujours quand ça va se gâter avec vos gros boubous, vos grosses soutanes. C'est là que vous allez maintenant sortir, c'est nous les vieux, c'est nous les sages. La vieillesse ne veut pas dire que tu es sage. Quand tu es un vieux puis tu es con, on doit te mettre à ta place. Les chefs traditionnels, prenez vos responsabilités avant qu'ils sortent au pas. Les chefs religieux, prenez vos responsabilités. C'est maintenant qu'on doit parler. C'est maintenant qu'on doit dire assez, c'est assez. Trouvez un accord. On ne va pas rester comme ça. Où on se cache derrière l'autre côté. Non, la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Mali. Ah non, le Mali veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et puis on est dans ce jeu de chat et de la souris. Ni tête, ni queue. Pourtant, on a deux pays où le mélange est trop. Merde à la fin. Merde.
mais c'est des ignares, des coiffeurs, des analphabètes, comme les saoulés de Paris. La guêpe, Petit Seydou, la femme la plus maudite de la terre. C'est des gens comme ça, les Maliens vont écouter. Et puis vous voyez même, il y a des Ivoiriens qui nous soutiennent. Eux là, ce n'est plus des Ivoiriens. On les appelle les exilés. Ils ont quitté le pays. Eux, ils sont allés en exil. Ils ont tenté de déstabiliser. On les a tapés. Alassane Ouattara est président. Comme il s'appelle le premier ministre, Amadou Koulibaly est mort. C'est les mêmes qui sont venus dire qu'on a tué Amadou Koulibaly. On les a matés. Le premier ministre feu Ahmed Bakayoko est décédé. Les mêmes sont venus dire Ahmed Bakayoko a été sacrifié. On les a matés. Pendant les élections, ils ont voulu s'élever. On les a matés. On va de matraquage en matraquage. Mais aujourd'hui, nous sommes deux peuples. Deux pays frères. Moi, j'ai pris un engagement. Vous savez, les dossiers politiques, j'aime plutôt en parler. Je préfère me concentrer sur mes objectifs. Sinon, s'il veut prendre débat politique, il n'y a personne qui me vaut sur les réseaux. Il n'en pas. Champion, je suis le numéro un. Il dit, je suis le numéro un, ça chauffe pas. J'ai le don de la parole. J'ai la capacité de la persuasion. C'est un don. Mais je préfère l'utiliser pour l'unité. Je préfère utiliser mon don pour le rapprochement. Je demande pardon. Quand vous voyez quelqu'un qui demande toujours pardon, vous voyez quand deux personnes se battent, et puis l'autre dit pardon, 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 puis l'autre ne veut pas là. C'est celui qui ne veut pas qui a toujours honte à la fin. Celui qui est trop excité là, c'est lui qui a honte à la fin. Remarquez dans l'histoire des Nyara. Il demande pardon. 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 Côte d'Ivoire, Mali. Là. Pardon. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, pardon. Évitons de commencer quelque chose que nous ne pouvons pas éteindre. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te battre avec quelqu'un puis le frapper. Mais tu viens de créer une haine. Sa descendance, ses enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants vont toujours avoir ça dans la tête et chercheront toujours un jour à se venger. C'est pour ça qu'on dit la guerre là, ce n'est pas bon. Parce que dans la guerre, il y a trop de catastrophes, il y a trop de gens qui perdent. Les conflits entre pays. Regardez combien de fois les camions maliens qui vont au Mali sont bloqués. Regardez les intérêts. Ceux qui ne sont pas dans le business, eux, ils s'en foutent. Eux, ils sont dans l'émotion. Il a fini de boire son thé, l'autre a fini de fumer son banc. Eux, ils s'en foutent, ils viennent sur les réseaux, ils balancent les commentaires qu'ils veulent. Mais au-delà de tout ça, que nous enseigne le Coran, que nous enseigne la Bible. Moi, c'est à ça que j'aimerais en venir pour conclure. J'ai fait la promotion du conseil de Mayamba. Tous les Maliens le savent. Moi, j'ai fait ça. J'ai même fait une vidéo où j'ai dit, ce jour du conseil-là, que nous devons aller célébrer l'union entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais hélas, les excités des réseaux sociaux, les analphabètes des réseaux sociaux, les illettrés des réseaux sociaux ont fait monter le mercure. La tension étant vive, les menaces étant lancées. Les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire sont dans l'obligation d'annuler tout événement à risque. Tout événement à risque. Et c'est que vous voyez, on aurait pu l'annuler peut-être depuis une semaine. Mais quand c'est fait à la veille, ça fait encore plus mal. Parce que tu t'es préparé, tu as payé ton billet, tu es venu, tu as pris ton hôtel, tu es passé sur le plateau de télé. Mariamba. Mariam. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, ma fille. Toi et moi, on a parlé au téléphone. Je ne serai pas une hypocrite. Et j'avais même pris, et je vous préviens, j'avais payé 100 des tickets de la jeune fille. 100 tickets. C'est moi qui ai dépensé près de 20 millions pour organiser le concert pour la libération de Sidiki Diabaté. Allez demander au roi Douzou s'il a donné 5 francs. Allez demander à Sidiki Diabaté s'il m'a une fois donné 5 francs. Je ne suis pas un homme qui fait quelque chose pour l'argent. La dernière fois, il était sur le plateau, Sidiki Diabaté. Ah, mon général, il a te donné des partenaires. Allez demander à Sidiki s'il a une fois appelé pour dire, mon fils, c'est comment est le partenaire? Ça ne m'intéresse pas. J'aime quand les gens sont contents. C'est moi. Quand Diabasoura a été arrêté, c'est encore moi. J'ai pris ma caméra pour faire vidéo. Pour taper, libérer la fille. Ce n'est pas une bonne image. Quelqu'un qui prend son argent pour organiser un concert de... Hey, Seigneur, mon monsieur assis par terre. Il y a des Maliens, mais dit, ma cousine, tu n'aimes pas le Mali. Hey! Seigneur, ma cousine est tombée. Oh. Il est assis à terre, moi, il rit seulement. Hey! Est-ce
Est-ce qu'il y a les images encore du concert à nous? Est-ce qu'il y a les images du concert encore à Dama? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'il y a les images du concert? Je cherche images de concert, mais je ne trouve plus. Je cherche moi-même images de concert, là, je ne trouve plus. Concert de Sidiki Diabaté à Abidjan. Concert pour la libération de Sidiki Diabaté à Abidjan. On a bé Yopougon. Yika Yopougon dit, ouais, Sidiki Diabaté en prison. La Guinée a refusé qu'on organise le concert de libération de Sidiki Diabaté en Guinée. Vous vous rappelez, Bijou était parti là-bas. L'ancienne femme de Sidiki était partie en Guinée. Ils l'ont humilié là-bas, ils ont annulé le concert. Ils n'ont pas de concert pour quelqu'un qui frappe femme. C'est Côte d'Ivoire. C'est nous, on a pris le concert. On a chargé le concert et on a organisé le concert de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire pour sa libération. Les autorités, plusieurs personnes sont allées voir les autorités ivoiriennes pour leur dire non. Faites annuler, comme on appelle ça, le concert. Parce que les femmes ne sont pas contentes. C'est une affaire de, comme on appelle ça, de violence vis-à-vis des femmes. Plusieurs artistes ivoiriens ont désisté à la dernière minute face au concert de Sidiki Diabaté. J'ai dit bien, plusieurs. Voici le concert de Sidiki Diabaté là. Voilà le concert. Voilà Makoso. Voilà Bijou Siraba. Voilà Ramba Junior. Voici Makoso. Voici Bijou Siraba. Voilà Ramba Junior. Voilà Grand P. Makoso ne parle pas pour parler. Moi, il parle de prive. Voilà Makoso. Voilà Bijou. Voilà Ramba Junior. Voici Grand P. Qui a financé le concert là? Makoso. Calmez-vous. Calmez-vous. Le jour du concert, voilà Makoso qui a pris la parole. Voilà la présidente du fan club de Sidiki Diabaté. Makoso parlait pour vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Où sont les photos là? Où sont les photos? Le jour du concert, voici qui est tout rouge. Voilà garde-corps d'Arafat DJ qui est aujourd'hui l'un des protocoles de Sidiki Diabaté. Calmez-vous. Voici la gendarmerie qui était présente pour sécuriser le concert. C'est Makoso qui les a déplacés. Calmez-vous les gars. Calmez-vous. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Quand il dit calmez-vous, c'est calmez-vous. Ce qui unit les deux pays là est trop fort. Voici Sidiki. Voici son père spirituel, Camille Makoso. Les liens qui lisent, qui définissent ces deux pays là sont trop forts. Ne permettons pas que le diable vienne se mettre au milieu de deux pays qui s'aiment. 49 soldats sont allés au Mali. Dans le cadre d'un contrat, on estime qu'on n'a pas vite reçu papier. L'autre dit, ok. Bon, vu les liens qui unissent ces deux pays, les liens historiques, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un accord. Mais on ne peut pas faire du chantage. Parce que au fur et à mesure que les jours passent, le stress se développe, la frustration se développe, parce que la moquerie s'installe. Et quand un homme est retranché dans sa dignité, il est prêt à réagir pour se défendre, pour défendre son honneur. C'est pour éviter tout ça là que moi, je viens encore devant tous les Maliens, tous les Ivoiriens pour dire pardonnez. Allons doucement. Les liens qui nous lient sont trop forts. Il est parlé. Celui qui veut interpréter sans bien, gloire à Dieu. Celui qui veut interpréter sans mal, tu ne payes pas ma maison. J'ai ici à Paris, tu ne payes pas moi ma maison. Tu ne payes pas moi ma maison. Et puis même jusqu'à ta mort, tu ne peux jamais avoir courage de dire Makoso, comme tu as dit ça, je te donne rendez-vous. Samedi prochain, je suis à Château Rouge. Je suis Camille Makoso, je suis à Château Rouge. Samedi prochain, de 12h à 18h. Si tu es trop fâché, trouve-moi là-bas. On va te faire ça propre dans Paris, même tu ne vas rien comprendre dedans. Mais est-ce que ça là, c'est ce qui est bon? Est-ce que ça là, ça nous arrange? La réponse est non. Qu'est-ce qui nous arrange? C'est le business. Or, l'argent n'aime pas le bruit. C'est pour ça que dans les banques, il n'y a jamais de musique. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Il faut la paix. Je donne ici mon numéro de téléphone WhatsApp à tous ceux qui me suivent. Je vais faire un cadeau. Vous voyez ce livre? C'est le livre qui m'a permis aujourd'hui d'être millionnaire.
Aujourd'hui, je suis chez moi à Paris, ici, je suis chez moi à mon domicile privé. Et je suis prêt à aider des personnes en les offrant gratuitement ce livre. Prenez tous mon numéro de téléphone WhatsApp. 00225 01 50 50 22. Je suis le seul influenceur qui donne son numéro en direct parce que je n'ai pas peur de quelqu'un. Si tu es un Malien, que tu aimes la paix, si tu es un Ivoirien, que tu aimes la paix, prions pour le Mali et pour la Côte d'Ivoire. Je ne viendrai jamais m'asseoir pour narguer les Maliens. Vous avez parlé, on a annulé votre conseil, les maudits là. Ce n'est pas mon éducation. Ça, c'est quelqu'un qui a raté sa vie qui parle ici. Quand quelqu'un connaît l'importance d'être noir et que le peuple noir doit rester solidaire face aux personnes qui ne nous aiment pas, nous devons apprendre à être des proclamateurs de paix, à être des distributeurs de paix. C'est vrai, je veux la libération de mes soldats, mais je ne prendrai jamais le risque de venir insulter un Malien. Pourquoi? Parce que le Malien, c'est moi. Nous sommes tous les frères africains. Que Dieu vous bénisse. Shalom.